Les habitants de la localité n'en reviennent toujours pas de ce qui s'est passé hier dans l'après-midi. Sujaya Anata, âgé de 23 ans, a été poignardé mortellement par son ex-époux, Krichesh Singh Bengui, âgé de 27 ans. Ils se sont séparés il y a plus d'un an, d'après les proches de Sujaya. La sœur de la victime nous fait part de ses sentiments. La mère du suspect semble toujours sous le choc. Après, mon belle là, il est trop long. Comme il n'y a pas mon garçon, il excuse, il n'y a trop beaucoup de mauvais pas. Nous-mêmes, nous sommes pas d'un trop grand saut. Ma lille, il a perdu sa fille, moi aussi, je perds mon garçon. Il est en prison. Ça a des enfants là, il est super. Nous qui sommes super, pas de nous de consentement. Moi, la santé pas bien, Michel est allé, son maman est poussé. Comme elle est souffert, nous sommes souffert. Pas de bizarre pour cela. Krichesh Singh Bengui, pour sa part, est passé devant la cour du district de Flak ce matin et reste toujours en cellule policière sous une accusation d'assassinat.